Que tous ceux qui respirent l'éternel on te mananga le comme ça yo babanzo nanga le sanjola yo po oyonga na zomona ilongoli bonzame na yote. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de Afrima 2020. Nos artistes ont été nominés, ils étaient au nombre de 3. Nous parlons bien entendu de Inos, Biguez, Maurité, Ifali, Poupa et voilà. C'est depuis le 15 novembre que les résultats sont sortis. Je ne me suis pas prononcée sur le sujet. Donc, comme on dit, demeure ton point de vue sur la chose. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Heroic. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeurien Gimoukoussi Atalou, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram demeure officiel, TikTok, @demeureofficiel, Snap demeure officiel et mon WhatsApp. C'est le +243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un verre d'eau bien frais parce que vous en avez besoin, n'est-ce pas? Si c'est pour vous la toute première fois de tomber sur un de mes contenus, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, surtout de vous abonner et d'inciter vos proches à me suivre. Afrima 2020, les votes ont commencé, on en a parlé ici sur Demeure Officielle plus d'une fois. On a fait des lives, on a incité les amis, on a dit « Eh, s'il vous plaît, allez voter pour nos artistes, c'est le Congo qui gagne ». Allez dans toutes les catégories, même si vous ne trouvez pas l'artiste que vous soutenez, mais parce que c'est le Congo qui doit gagner, allez voter massivement, faites-le pour l'honneur du pays. Ils sont allés vendre le drapeau du pays, l'étendard du pays, alors faites-le. On a motivé, on l'a demandé et ça a été fait. Après quelques temps, après plusieurs semaines de vote, ils ont décidé de clôturer et c'était le 15 qu'ils ont dit qui étaient les gagnants. C'est de ça que nous sommes en train de parler parce que les résultats sont sortis. Aïe, aïe, aïe. Je vous jure, c'était terrible. C'était chaud. J'étais dans le live. J'étais comme ça au taquet en train d'attendre. Mais qui va remporter? Mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Je vous jure, c'était une dinguerie. Dans l'espace commentaire, dans les chats, au fait, je voyais les Warriors au taquet. Mais j'ai dit, mais ça c'est une bande, mais de... Waouh, les Warriors, vous êtes graves, je vous jure. Ils étaient là. Je me demande si les autres communautés comprenaient quel type de fans Fali à hein, des gens toujours en attaque, quoi, toujours d'attaque au fait, je voulais dire. Ils étaient là, ouais, très actifs et tout, et quand j'entre, je glisse un mot, c'était demeure. Non, vous êtes trop fort. J'ai vu les fans de Gezma, où était et tout. Non, je vous jure, c'était très terrible. Mais avant, je tiens à rappeler que sur Demeure Officielle, désormais, pour vos événements, anniversaire, surprise, mariage, demande en mariage, vous aimeriez l'organisation de vos rêves, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle, on vous le fait à un prix très réduit. Vous avez droit au kit complet, l'organisation, l'animation, la déco, le service traiteur, le tout, on vous le fait à un prix très promotionnel. Contactez-nous, soyez parmi les premiers et bénéficiez de ce prix abordable dont on fait allusion, n'est-ce pas? Donc voilà aussi, je tenais à dire à tous ces amis qui veulent aller en Turquie pour juste visiter et tout, voyage touristique et voilà. Et aussi à tous ceux qui veulent aller étudier en Chypre ou encore en Tunisie, n'hésitez surtout pas de contacter ce numéro que je vais vous recommander ou encore le numéro de Demeure Officielle. Vous aurez le visa en une semaine, ça c'est même pas à discuter. En une semaine, vous avez le visa. Et vous êtes servi, quoi. Vous ne serez pas du tout déçu. Rassurez-vous, vous appelez ce numéro, le +243 82 0003 x 44 62. Je répète, le +243 82 0003 x 44 62. Vous aurez l'équipe qui va vous orienter par rapport à cette histoire de visa. Et c'est pour la Chypre, la Tunisie et le Maroc. Vous ne serez pas du tout déçu.
Et aussi à tous les amis qui veulent faire passer leur spot publicitaire sur demeure officielle pour ces fêtes de fin d'année. Comme je vous avais annoncé que le 15, je vais vous dire comment ça va se passer. Alors contactez-moi en privé. Je ne sais pas dire le prix officiellement comme ça sur la chaîne. C'est en privé que vous allez découvrir ce prix que nous avons carrément cassé pour vos publicités. N'hésitez surtout pas de nous contacter. C'est pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà. Alors, revenons sur Afrima. Je vous jure, hier, c'était terrible. Oh mon ouais, il y a 2 ans, ça a commencé et tout et tout. Et je suis allée me connecter. C'était les performances, les artistes prestés et tout. C'était très beau à voir les artistes de partout à travers le monde, chacun dans son coin. Nous ne devons pas oublier, je voulais dire qu'il y a cette histoire de Corona et tout. Du coup, ils ont fait ça chacun dans son coin et après, il m'a juste relayé les images. Quoique nous étions très déçus de la qualité des images que Afrima nous a offert. 2 fois, ça buguait, mais énormément. Après, quand même, on a pu finir. Et lorsqu'on était en train de voir les performances, on était content de voir Gezmawete qui nous a fait une belle performance, que nous avons aimée, que nous avons appréciée, à qui je dis coup de chapeau, mais en tout cas, c'est aussi à revoir, c'est à perfectionner. Parce que j'ai vu certaines performances des artistes d'ailleurs, c'était très, 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 en tout cas, c'était aussi très, très bien en fait. Donc, la qualité que j'ai vue, j'ai apprécié la performance de Guez, mais la qualité que j'ai vue chez d'autres artistes, je me suis dit que Guez devait en faire encore plus. C'est important. Faudrait toujours améliorer et c'est comme ça que ça se passe. C'était bien, mais c'était pas au fait le top de chez top. Hein. C'était moyen la performance. En tout cas, j'espère que Guez va tenir compte de ça prochainement. Il va nous donner plus. Et après, on était tous en train d'attendre Fally Ipupa, parce qu'il était parmi les artistes aussi qui allaient faire leur performance et tout. On était très contents de constater qu'il a fait sa performance avec Message, une chanson sortie récemment qui a fait grave polémique. Hein. C'est-à-dire, il a chanté pour les jaloux, pour les haineux, les aigris, toutes ces personnes qui nous détestent pour rien, quoi. Hein. Dieu ne vous déteste pas, mais il me préfère moi. Merci Nzambe. Hey, jaloux, jaloux. Ça restera jamais ma chanson préférée, quoi. Après, jeudi soir. Donc, voilà. Alors, on a grave kiffé le fait qu'il a choisi Message. C'était top. C'était très bien. Parce que, ouf, je vous jure, nickel. Ça, c'est mon coup de cœur. Mais après, la performance de Fally Ipupa. Oh my God. Le King, raconte-nous. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'apparemment, les performances, Fally les fait, mais il les prend pas trop à cœur. On se pose des questions. C'est stratégique? C'est fait exprès? C'est stratégique? Ou t'avais pas trop le temps? Parce que je me rappellerai encore que pendant le confinement, Idris Alba avait invité les artistes et tout. Je pense que j'en avais parlé au MTV, où les artistes devaient prester comme ça dans le but de collecter des fonds et tout pour aider les plus démunis. Fally Ipupa faisait partie des artistes que Idris Alba avait choisi, ou encore son équipe, mais en tout cas, il faisait partie de ces artistes-là qui ont presté pour le compte de cet événement-là. C'était pendant le confinement. Alors, la performance de Fally, quand ça a commencé, nous avons tout de suite vu que l'artiste était sur, je sais pas moi, une chaise montante ou encore, je sais pas, un tabouret, je me rappelle plus trop, mais en tout cas, c'était un truc haut et il y avait sa guitare, il était en train de chanter. C'est vrai que pendant le confinement, il y avait la barbe qui avait grave poussé, il n'y avait pas de coiffeur. Mais franchement, on a kiffé ça. Mais c'était un truc très simple. Il avait sa guitare, il nous a chanté Bébé Nana Cana Sucré. J'adore cette chanson, j'aime, je kiffe. Mais la performance était simple. Mais je pense que c'était mieux même que la performance dont on a eu droit le jour de Afrima. Parce que ça, au moins, il était seul. Et puis voilà, il y avait quand même suffisamment de lumière et tout et tout. Voilà, on le voyait quand même. Pour Afrima, c'était bien, mais c'était quand même moyen comparé aux autres performances que nous avons vues. Voilà. Et en ce qui concerne, je reviens sa prestation de Idris Elba. C'est vrai qu'il a chanté une seule chanson. Il était seul. C'était Canne à sucre. Ok, c'était bien. Mais quand même, on aurait voulu voir plus. Parce que les autres artistes des autres communautés, quand ils sont passés, ils se sont carrément dépiécés, quoi. Les gars, ils ont fait des dingueries. Fally Ipupa, il a fait simple. Ok, on comprend. On parle quand même de Fally Ipupa, là. On parle quand même du king de la musique congolaise. Et surtout d'un artiste international.
Et les performances, il s'y connaît, il le fait. Et à chaque fois que il est face à des concurrents de taille, nous, on s'attend à ce que notre Fally Ipupa, à nous, fasse des dingueries, au fait, face au-delà de nos attentes. Mais il est toujours dans la simplicité. Je commence à me poser vraiment de questions. Je me demande, c'est volontaire? Pourquoi? Ça trottine dans un coin de ma tête. Je cherche à comprendre. Même si c'était volontaire, est-ce que la simplicité, ça devait vraiment être... En fait, peut-être qu'on n'a pas la même définition, hein, de la simplicité et tout après. Bon, c'est lui l'artiste, mais quand même ça cogite dans ma tête, quoi. Parce que j'ai même reçu certaines réactions des autres warriors. Je ne sais pas si je suis dans le faux, si j'ai pas bien vu, ou si j'ai pas bien compris le concept. Dites-moi ce que vous avez constaté dans les commentaires. Au fait, aussi votre appréciation par rapport à sa performance, au fait. Parce que moi, j'ai trouvé ça très... oui, c'était bien, mais pas le genre de prestation qu'on attendait, quoi. On attendait plus, pas trop ça. Après, aux dernières nouvelles, Fally n'est pas à Kinshasa, il est sur Paris. Bon, après, lui, dans les va-et-vient, c'est ce qu'il fait le plus. Est-ce qu'il était revenu à Kin et c'était lors de sa répétition qu'il a fait ce live, ou c'est une vieille répétition qu'ils ont juste passée et que Afrim a relayée? C'est la question aussi que je me suis posée, enfin, dans un coin de ma tête, quoi. Parce que je me demande vraiment si c'était une vidéo récente. C'était la vidéo d'une des répétitions qu'il a passé pour qu'on poste. Mais c'était ça, fallait juste qu'il enregistre un truc meilleur et qu'il puisse passer à Frima. Mais après, en tout cas, oui, c'est vrai qu'on a kiffé grave le fait qu'il a choisi Message. Ça redonne encore une autre visibilité autour de cette chanson parce que ça a grave accroché. Ça continue d'être consommé sur les plateformes, également sur YouTube. D'accord, on le comprend parfaitement et on applaudit le choix de la chanson. Mais en tout cas, la performance en soi et la qualité de Afrima et le fait qu'on attendait que l'artiste fasse plus, parce que quand on dit plus, c'est parce qu'on a vu ce que les autres ont fait. Hein. Ils se sont vraiment donnés à fond. On se dit qu'il aurait dû faire plus. Il aurait dû faire plus. Et surtout dans son rang de king, de... Voilà. Et puis, dans tout ça, il est nominé et il a remporté. Donc... les catégories dans lesquelles il a remporté, c'est des catégories énormes. Ok? C'est des catégories énormes. Alors, avec un truc aussi moyen, on aimerait vraiment que prochainement, Fally Ipupa puisse vraiment avoir un œil très regardant en ce qui concerne ses performances. Parce que même les Warriors n'ont pas grave accroché par rapport à cette performance. Hein. J'ai reçu les messages, mais j'ai vu. Mais demeure, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi Fally Ipupa, la performance? Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il n'a pas pris ça à cœur? Enfin, certains ont dit qu'il n'a peut-être pas pris ça à cœur ou quoi. Après, on se pose beaucoup de questions. Bon, peut-être qu'il a voulu faire dans la simplicité. Oui, c'est vrai que c'est bien, mais dans la simplicité aussi, on peut donner plus. Donc ça, c'est le message que nous avons à passer à Fally Ipupa. Quoique, c'est l'artiste qui nous a le plus régalé la soirée du 15 ou dans la nuit du 15, tout simplement parce que il a remporté, mais dans deux catégories, et pas n'importe quelle catégorie, des catégories quand même high, parce que il n'était pas avec n'importe qui dans ces catégories. Il était avec les Aya Nakamura, des grands artistes de partout, n'est-ce pas, de la communauté francophone. Mais lui, il a raflé les trophées. Donc, c'était juste top. C'était juste dingue. Je tiens à rappeler que il y avait Guess Ma Wété, il y avait Inosbi, il y avait Fally Ipupa. Inosbi n'a pas presté parce que il n'était pas sélectionné parmi les artistes qui devaient performer ce jour-là et tout. Du coup, c'était que Guez et Fally qui ont presté. Et voilà, on a aimé leurs prestations dans l'ensemble. Lorsque les résultats ont commencé à sortir, on avait hâte. Nous, notre objectif, nous les Congolais, c'était que nos trois artistes ressortent gagnants de ce grand concours. Parce que c'est notre fierté. Quand j'ai dit nos trois artistes, vous allez me dire, il y avait Nino, il y avait Dadju. Pourquoi tu ne les comptes pas? Tu comptes que Guez, Fally et Inosbi. C'est parce que les Dadju, les Nino, oui, c'est vrai qu'ils sont de notre communauté. Lorsqu'on leur a nominé à côté, on a écrit artistes congolais. Ça, c'est par rapport à leurs origines. Mais nous savons tous qu'ils font plus, ils représentent plus la musique francophone que la musique congolaise. Par leurs origines, on leur respecte, mais eux, ils sont plus dans le milieu français. Ils évoluent en France et voilà.
Mais quand même, ils étaient aussi sélectionnés dans les catégories. Mais moi, je parle plus des artistes qui évoluent au niveau du bled qui étaient nominés. Donc voilà, c'est pas comme si eux, on leur reconnaît pas, on leur reconnaît, on respecte. Mais je parle plus de ceux avec qui nous évoluons ici. Alors, on aurait appris que, félicitations à Guèze Maouété, sa chanson s'est ratée. Un son que je kiffe de dingue, un son qui joue beaucoup dans les fêtes, une chanson qui a grave cartonné, qui a accroché, était nominée et finalement ça remportait meilleure vidéo, n'est-ce pas, de l'année, vidéo clip. Cette catégorie-là, il y avait Guèze Maouété et d'autres grands artistes, mais c'est raté, a été sélectionné et c'est raté qui a et c'est raté qui a remporté. Donc voilà, on dit coup de chapeau, chapeau bas à Guèze Maouété parce que c'est son titre, c'est son son, il a invité juste l'artiste et il fallait pour pas la juste accompagner et franchement ça fait du baume au cœur. On est fier de Guèze Maouété, chapeau bas artiste, on semble fier de toi, tu nous prouves tous les jours sans arrêt de quoi tu es capable, tu ne fais que évoluer, tu ne fais que aller de l'avant. Franchement, chapeau bas. Et après, on a attendu Inosbi dans les différentes catégories où il était nominé. Il n'a remporté nulle part, chose que nous avons regrettée amèrement. On aurait souhaité que Yopé puisse être vraiment la chose qui va faire qu'il puisse remporter. On s'attendait à ça, mais de dingue. On voulait à tout prix que Inosbi aussi remporte parce que Yopé a fait le tour du monde, ça fait des challenges, ça a accroché. Nous sommes tous en ignorer que Yopé a ramené beaucoup de visibilité à Inosbi, des featuring, des collaborations, en termes d'événements, je sais pas trop, j'ai pas entendu trop de concerts, mais quand même, on sait que ça jouait beaucoup dans sa visibilité. C'est sorti en 2019, c'est vrai, mais quand même, ça a été pour beaucoup dans sa visibilité. C'est ce qui a fait même qu'il puisse être très nominé, en tout cas ce temps-ci. Il vient de rater BET, cette fois-ci c'est Afrima. Franchement, on lui dit chapeau bas. Il était là pour représenter la musique de notre pays. Ce sont ses autres frères congolais qui l'ont remporté. Donc, c'est toujours le Congo qui gagne. Hein. Courage Inosbi, ça va passer à tous les fans de Inosbi qui écrivaient Tigre et tout dans les chats. Je vous ai vu, hein. Je voyais quelques-uns s'afficher et tout. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Tigre, courage à toi. C'est des choses qui arrivent. C'était une compète. Et puis voilà. Après, certainement que ça sera toi. En tout cas, courage, courage, courage. Et après, c'est le Congo qui a gagné. C'est ça notre fierté. D'accord? Mais sinon, on aurait grave souhaité que Inosbi aussi soit parmi les personnes qui ont remporté. Et enfin, on dit qu'on garde que le meilleur pour la fin. Quand je dis meilleur, c'est en fonction du fait qu'il a remporté deux. Il est best artiste masculine de l'Afrique francophone, best artiste de l'Afrique centrale. Il s'appelle Fally Ipupa, le King of Wonder. Le daddy des Warriors. Franchement, les gens étaient devenus fous, hein, les Warriors. Hein, ils étaient devenus fous, c'était ouais, on a remporté et tout et tout. Donc, ça fait une grave polémique sur les réseaux sociaux. J'ai vu des captures, des messages que les gens m'envoyaient à gauche et à droite. Les Warriors ont dit ouais, nous sommes fiers de nous, c'est grâce à nous parce qu'on a voté. Voilà pourquoi vous devez avoir des fans toujours d'attaque. Parce que eux, ils étaient là. Ils disent, quand tu viens, tu fais un live où tu parles même pas. Demain, tous on est là, tout le monde après, on doit aller voter. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le résultat est là. C'est clair. C'est le résultat des votes. Et voilà, on est sans ignorer que cette année, Fally Ipupa a grave aussi performé depuis 2019 jusqu'à cette année. Et surtout qu'on va se rappeler toute notre vie du concert du 28 février 2020. Juste avant Corona, une année qui marque tout le monde. Quand on va parler de l'année 2020, on va jamais oublier de parler du concert de Fally Ipupa du 28 février parce que c'est un événement qui a touché le monde. Ceux qui ne le connaissaient pas, je ne sais pas s'ils existent, mais ils se sont demandé c'est qui ce type et pourquoi on a brûlé la France pour lui, quoi. Carrément. Donc voilà, franchement, il a marqué l'année et c'est un sujet, hein, c'est un sujet, ça restera jamais comme ça. Donc voilà, félicitations à Fally Ipupa, meilleur artiste francophone, meilleur artiste de l'Afrique centrale. Quand on dit meilleur artiste francophone, vous pèsez pas trop. Regardez les noms qu'il y avait. Il y avait la Camoura, etc., etc. Malgré les jolies nanas et consorts,
Fally pour ma meilleure artiste francophone. Je vous dis que c'est une dinguerie. En tout cas, bravo. Nous sommes très fiers de l'artiste. Aussi, on aurait constaté une photo qui fait le tour des réseaux sociaux. De 2014 en 2020, Fally Ipupa totalise 10 Afrima. Mais ça, c'est une tuerie. Afrima, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ça fait partie des grands trophées en ce moment. Quand on voit les BGT, on voit les Afrima et consorts. Il en a déjà 10. 10 frères. Et sur la photo, on voit que il ne reste plus que 2 ou 3. Comme ça, il va totaliser. Donc, c'est-à-dire, si vous rajoutez les 2 là, ça lui fera un total de 12. Eh, 12 Afrima. Mais je ne suis pas contente. Hein. Je ne suis pas contente. Il fallait aussi qu'il soit le meilleur artiste de l'Afrique tout entière. Et puis, vous lui donnez, je ne sais pas moi, une autre nomination, vous rajoutez. Parce que quand on pense au concert du 28 février, là, ça, c'est un événement qui mérite un trophée. Comment il a fait pour gérer le stress et ce concert-là a eu lieu? Vous-même, ça ne vous a pas fait peur. Fallait rajouter ces deux trophées-là. Et pour le concert du 28 février. Et pour meilleur artiste de l'Afrique tout entière. Tout simplement, pour nous faire plaisir. Comme ça, il allait totaliser le 12. Après, il va dire, ok, d'accord, merci beaucoup Afrima. Vous m'avez gâté et tout. J'ai totalisé les 12. J'en ai plus besoin. Il y en a marre, quand même, quand même. Écoutez, donnez aux autres, hein, je laisse la place. Hein. Prochainement, même si je fais des exploits, des merveilles, me nominez plus. Me nominez plus, faites comme si vous n'avez pas vu. J'ai totalisé 12. Je laisse la place. Il sort tranquille. Vous voulez seulement que les deux là qui puissent pas les avoir pour que vous puissiez encore le nominer. Vous le faites exprès ou quoi? Hein? Ils ont laissé ça exprès. Ils savent qu'il a mérité deux autres trophées là, mais ils ont tout fait pour qu'ils ne puissent pas avoir ça. Comme ça, ils vont encore le nominer pour qu'il puisse venir récupérer les deux autres. Mais je suis sûre qu'ils vont donner deux. Ça va faire 12 plus un Matabi, ce qui va faire 13. Ou peut-être il va sortir avec 6 trophées. Parce que je rappelle que l'album Tokoz 2, c'est en route. C'est pour bientôt. Peut-être ça va sortir en 2020. Peut-être ça va sortir en 2021. Parce que l'année est déjà en train de se terminer. Là, nous avons dépassé la moitié du mois de novembre. Carrément, de quelques jours. Vous voyez? Peut-être ça va sortir en début de l'année prochaine, peut-être ça va sortir à la moitié du mois ou cette année, je sais pas. Mais cette année, je sais pas trop, je doute encore. On est en train de réfléchir parce qu'il a annoncé quand même qu'il a fini en studio. Alors on se demande, ça sort quand? Ça sort quand? Hein? Il a là, quand il va sortir l'album, ça va faire encore des dingueries. Afrima va encore aller le nommer. Ah, Afrima, fallait seulement tout donner cette année. Ça allait faire quoi, n'est-ce pas? Donc voilà un tout petit peu ce qu'il en est de Afrima 2020. Merci à tous ceux qui ont voté, nos artistes, pour ceux qui leur ont accompagné, leur ont soutenu, les fans et tout. Vous l'avez très bien fait. C'est comme ça. En fait, les vrais fans, ça n'insulte pas pour les artistes dans les commentaires. Ça ne se dispute pas entre eux pour des incompréhensions. Ça ne se prend pas la tête. Ça n'a pas le temps. Les vrais fans sont occupés à vouloir se casser la tête pour que leur artiste aille le plus loin possible, aille de l'avant. Qui puisse vendre sur les plateformes, qui puisse faire des vues, qui puisse être au top de, ce to de chez Top. Le vrai challenge à se faire entre fans, c'est ça. C'est loyal. Votre artiste a combien de vues, a vendu combien sur les plateformes? On y va, on marche, on avance. Et déjà là, les Warriors, je vous promets, désormais sur Demeure Officielle, vous aurez un jour de live chaque semaine où vous allez vous exprimer, lancer des challenges, des targets, faire une mise à jour. Planifier des trucs pour la semaine qui va suivre. Je ferai en sorte que ça puisse être vers la fin de la semaine. Mais si jamais je constate que cette semaine-là, je suis très occupée, je pourrais faire ça dans le milieu de la semaine. Mais en tout cas, vous serez prévenus. Mais désormais, sur Demeure Officielle, les Warriors, vous avez toutes les semaines un jour de live sûr. Et si il y a des choses, il y a du contenu, on peut prendre même 2 jours de live comme ça. Ça, c'est votre demande. Hein. On va essayer de le réaliser comme ça. On pourra prendre 2 jours de live comme ça. On va aller à fond autour des actualités et tout et tout. D'ailleurs, déjà, j'ai promis que le mardi aujourd'hui, on a un live. Et pour les fêtes de fin d'année, il faudrait préparer. Déjà, vous avez pratiquement fini. Il vous restait plus que 320 exemplaires pour totaliser les 50 000 exemplaires pour l'album Tokoz 1, votre disque d'or que vous souhaitez offrir à Fally Ipupa comme cadeau d'anniversaire. Il ne restait plus que 320 exemplaires. J'espère qu'après le live qu'on a fait dernièrement, vous avez totalisé les chiffres que vous êtes allé à fond autour de ça. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, un tour à la FNAC et allez acheter. Je ne sais pas si c'est ouvert. Ou si vous allez acheter en ligne, en tout cas, mais totaliser ces chiffres parce que l'anniversaire, c'est plus pour longtemps. J'attends d'avoir les suites et tout. Et pour ces fêtes de fin d'année, je pense que les Warriors, on va avoir au moins 2 jours par semaine pour les lives, discuter
échanger, faire des mises au point jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est sur demeure officielle que vous allez planifier l'anniversaire d'Ophalie pour pas à tous les groupes des Warriors qui m'écrivent ou qui ne m'écrivent pas. On peut s'écrire pour se fixer par rapport aux 2 jours par semaine des lives pour préparer l'anniversaire d'Ophalie qui aura lieu le 14 mars. J'aimerais que lors d'un live, on va choisir le jour. Aujourd'hui, ça sera un live autour de Afrima, autour des actualités de l'album To Cause 2 que Fally vous avait annoncé. Mais après, on va faire un live planning. Je vous donnerai aussi le sujet. Mais aussi, vous pouvez toujours déjà commencer à proposer différentes idées sur ce que l'on peut faire. À partir de demeure officielle, vous serez dépassé certainement, vous serez à distance, vous serez loin, mais le 14 décembre sera là. Qu'est-ce que vous avez prévu en dehors des 50 000 exemplaires de l'album Tokos 1 que vous avez certainement même déjà totalisé? Qu'est-ce que vous avez prévu comme cadeau d'anniversaire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme surprise à l'artiste pour le 14 décembre? Je suis sûre que vous avez des idées derrière la tête, que chacun puisse contacter. Que j'ai dit, hein? Demeure officielle, c'est ouvert à tout le monde et aussi à tous les Warriors. Vous êtes un groupe WhatsApp, vous aimerez faire des lives, vous êtes un groupe de Warriors, vous aimerez faire les lives, c'est pas seulement Warrior Family 2.0. Oh, je suis Warrior de Malou. Papa, contacte Demeure officielle, on fixe un live. Vous avez des choses à dire, vous venez parler. Oh, je suis Warrior de Bassankousou. Mais je reçois tout le monde. Des États-Unis, du Maroc, oh, je suis Warrior du ciel. Appelez, on planifie un live. Venez vous exprimer. Parce que les Warriors, que ce soit tu es de Oudou, tu es du ciel ou de la terre ou de la lune, à l'instant où tu es Warrior, tu dis, ah, demain on veut faire live, le sujet est là, ok, on lance les lives. Tous les Warriors du monde seront là. Ils vont t'accompagner, ils vont vous accompagner et on va débattre autour du sujet proposé, si et seulement si les amis sentent aussi que le sujet profite à l'artiste. Parce que ce n'est pas tout de faire des émissions pour l'artiste. Et il faudrait aussi que le sujet puisse profiter à l'artiste. Donc voilà un tout petit peu le planning des Warriors. Les autres artistes, en tout cas, je me limite par dire félicitations, surtout à Guèze Maouété, parce que cette année, il m'a grave surpris. J'ai adoré son concert de Showbuzz, pourtant j'étais pas là. J'ai grave kiffé. Et ces séries qu'il est en train de faire, qui passent sur la chaîne Vodacom TV et tout, sur l'appli Vodacom TV, je kiffe, mais c'est une dinguerie. En dehors de ça encore, il a sorti des sons à succès, il évolue mais tellement bien. Et ce que j'aime chez Guez, c'est qu'il n'est pas au cœur des polémiques, il n'est pas au cœur des scandales, il évolue tranquillement dans le silence, mais il fait des exploits. Il est nominé à gauche, il est de concert en concert, c'est ça la suite logique d'un artiste. Tu sors des trucs, ça a du succès, tu dois normalement prester quelque part. Pas des concerts que tu crées, des concerts où on t'invite. Les gens choisissent d'investir sur toi. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, on va parler tout autour de ces choses encore une fois, certainement. Les fans de Guèze m'avaient demandé un live, m'avaient demandé que je puisse recevoir Guèze. Mon équipe va voir dans quelle mesure régler cette situation. Mais cette semaine, vous serez agréablement surpris par différentes émissions dont vous aurez droit ici, quoi. N'est-ce pas? Ça vous dirait que l'on puisse réavoir l'excellent Mumbaya, n'est-ce pas? Ou encore une autre surprise, ou 2 autres surprises, pourquoi pas. On est en train de travailler dessus avec l'équipe, mais sinon, félicitations à tous nos artistes qui ont remporté, comme ça, ou Afrima, nous sommes fiers de vous, c'est le Congo qui a gagné, et pour Inosbi, ce n'est que partie remise. Là, il a sorti un featuring avec Fabregas, qui a vraiment grave accroché aussi, les gens en parlent et tout, il y a une petite polémique tout autour. Je ne me suis pas encore prononcée sur le sujet. J'observe, je reviendrai dessus bientôt. Mais sinon, j'ai aimé le clip, les couleurs et tout. Voilà. Dans l'ensemble, c'est tout ce que j'avais à nous dire autour de Afrima. Nous sommes fiers. On dit chapeau bas à nos artistes. On aimerait que les nominations soient tellement récurrentes, tellement fréquentes. Et souvent qu'on ait même 3, 4, 5, 6 artistes qui représentent le drapeau de notre pays. Avant de finir, j'étais tellement choquée de voir que les artistes féminines des autres communautés étaient là en train de faire leurs performances. Elles étaient parmi les nominées. Elles ont même remporté comme Shuma Chosy par exemple. Mais aucune fille de chez nous. Aucune femme de chez nous. Aucune femme de chez nous. Même les Montiel Amouana qui devait emprunter, montrer le chemin, elle est là au cœur d'une polémique de
Attention. On se demande, au fait, on se demande, en tout cas, les femmes de notre communauté, les artistes, les voix féminines, faites un effort que l'on puisse vous retrouver dans des grands trucs comme ça, comme les Afrimae Consort. C'est toujours les hommes qui sont nominés, c'est toujours les hommes qui sont mis en avant. Travaillez, travaillez dur. Allez voir même ces hommes. Renseignez-vous. Cherchez à savoir pourquoi ils sont nominés autant. Comment ils font, quelles sont leurs stratégies. Vous devez connaître ces choses pour vous permettre de perfectionner et d'améliorer encore plus votre travail. En tout cas, je dis ça, je dis rien, mais sinon, courage à nos artistes et félicitations à Fally Ipupa, félicitations à Guèze Mawété. Voilà, en tout cas, je vous dis bravo, vous avez fait notre fierté, vous avez grave assuré. Merci beaucoup d'avoir remporté. Vous avez ramené la coupe à la maison. Nanana. N'est-ce pas? Donc voilà, je vous dis à très prochainement ou encore à tout à l'heure. Passez des très bons moments, excellente journée. Et voilà, restons en contact toujours sur le plus 32 465 34 36 38. Rappelons que désormais pour vos événements, anniversaire, mariage, demande en mariage, service traiteur, organisation, animation, c'est sur demeure officielle. Vous contactez sur le plus 243 81 37 26 458. Aussi pour voyage touristique au niveau de Turquie et Chypre, Tunisie pour les études, vous contactez sur le plus 243 82 0003 fois 44 62. Ils seront là, ils vont grave vous aider. Donc voilà un peu d'emblée ce qu'il en est. Je vous dis bisous, bisous, bye bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel on te mananga le comme ça yo babanzo nanga le sanjo la yo po oyonga na zomona ilongoli bonza mena yote.